Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une deuxième vidéo sur Star Warfare HD, Alien Invasion. Donc, cette fois, nous allons jouer un peu. On va faire rang 2 niveau de la campagne et le mode infini, je pense, je sais pas trop. Peut-être pas le mode infini, parce que c'est quand même assez pénible. Bref. Donc, ce que j'ai oublié de préciser dans la vidéo précédente, c'est que j'aime bien ce jeu aussi, parce que franchement, les chargements ne sont pas longs, mais alors pas longs du tout. On va activer le Wi-Fi, juste voir. Voilà, on va récupérer ici. La dernière fois, j'étais dans single, parce qu'il n'y avait pas servi à grand-chose, c'était juste pour vous montrer les différents chapitres. On va cliquer sur Online et récupérer la récompense journalière. Donc là, par exemple, j'ai récupéré 3 mitrailleuses. Qui je trouve est pas mal. Bon, par contre, on va pas le jouer en multijoueur aujourd'hui. Car mon wifi est franchement de très basse qualité. Voilà, regardez. Enfin, ça c'est parce que je l'ai arrêté, mais bon. Des fois, ça me fait ça en pleine partie. Et ça fait revenir au niveau, au menu principal et. C'est très très. Chiant. Donc, on va aller en single player. On va commencer. On va pas faire les boss, hein, puisque bien qu'on puisse essayer. Mais je vous promets que je ne me battrai pas. On va aller frontline, premier chapitre, niveau 1. Sachant que je peux utiliser les premières armes. Hein. Mais c'est juste pour montrer. Même si ça va pas être très dur, franchement. Voilà, voilà. Donc je mets pas le son sur ce jeu parce que personnellement je trouve que le son est de très mauvaise qualité. Enfin, il a pas un très bon son. Par exemple, quand tu tapes avec le cutter, qui est l'épée, ça fait un bruit comme vous savez quand vous faites tourner un tuyau au-dessus de votre tête, ça fait un bruit un peu bizarre. Et ben là, ça fait à peu près pareil. Regardez. Voilà, donc je trouve que. Et puis la musique est pas non plus très entraînante. Donc voilà. Ouh! Saleté. Donc oui, avec le cutter, pour le niveau A, ça suffit largement. Mais alors largement. Puisque toutes les armes, les one-shot. Hop là. Hop là, hop là. On va en tuer un deux, hop là. Hop là. Allez, on tue tout ça. Donc l'arc est assez puissant. Enfin, surtout pour les pour ses ennemis de ce niveau. Hein. Ensuite, il y a mon fusil d'assaut. Voilà. Et je vais vous montrer mon, entre guillemets, fusil à pompe. Enfin, moi je l'appelle comme ça. C'est des espèces de trous noirs un peu bizarres. Et vous avez vu, c'est assez difficile de tirer. J'ai jamais vraiment compris comment il marchait. Bon, par contre, là ça lague un peu. C'est assez rare. On va petit défoncer tout ça un peu plus vite. Hop là. Un de moins et deux de moins. J'ai dit deux de moins. Petite cinématique. Ah. Il fait juste le gagnant. Des fois, il fait un petit salto. Tranquille ou pépère. Voilà, voilà. Donc, j'ai gagné 4000. Franchement, c'est pas énorme. Mais c'est pas grave. Donc, oui, effectivement, j'ai beaucoup de munitions. J'ai pu tirer beaucoup puisque j'ai acheté des munitions dans le. Enfin. J'ai acheté ouais, des munitions. Je vous montrerai comment on fait. Enfin, moi perso, je passe par customise. Donc, comme je vous l'ai dit, il y a ici le bouton AMMO. Là, je peux tirer 543 fois. Ce qui est énorme, non, je peux tirer 12 fois, je crois. Et là, tu peux rajouter autant. Par exemple, là, je peux tirer jusqu'à 4000 et quelques fois. Ce que je vais pas faire, hein, parce que par contre, ça va me coûter la peau du cul. Hein. Pardon pour l'expression, mais bon.
Bref. Voilà. Donc, je sais pas si j'améliore mon arc. Ouais, allez, tiens. Non. Ouais, non. Pour moi, je pourrais améliorer mon cutter. Plus 42 puissance. Ouais, et puis non. Alors, on va cette fois. On va faire le niveau 1, 3 et 5. On va sauter en haut de niveau, hein. Parce que c'est pas très palpitant. Sachant qu'après, c'est vrai que vu l'équipement que j'ai, c'est assez facile. Bien que je dois bien avouer que bon, je suis pas non plus très fort, hein, mais j'ai un petit peu de mal au niveau au chapitre 2. Allez, merde, il est juste devant moi. Ouais, il y a un chien. Enfin, j'appelle ça les chiens. Ça, je sais pas trop ce que c'est. Enfin, j'aurais pas de nom, c'est trop moche. Hop là, un de moi. Je sais pas comment vous appelez ça, vous, moi, mais je vois pas de nom, c'est trop, c'est moche, c'est... Ça, j'appelle ça les chiens lézards. Vous me demandez pourquoi. Mais c'est... bizarre, je l'avoue. Hop là. Moi, personnellement, je bouge tout le temps. Comme vous voyez, mon personnage... Des fois, il peut s'arrêter, mais moi, je le fais tout le temps bouger. C'est plus pratique. Oh là, chez moi. C'est plus pratique, je trouve, pour esquiver, etc. Parce que des fois, tu l'esquives sans faire exprès. Ouais. Bah, je l'ai pas esquivé. Mais bon, vu la vie que j'ai, de toute façon. Enfin, vu la vie que j'ai, ils me font pas grand-chose pour leur niveau. Parce que les mêmes monstres, ceux-là, quand je fais le boss qui est que 3 étoiles. Je crois qu'il me faut 4 tirs d'arc pour les tuer. Alors que là, il m'en faut qu'un seul. Donc, j'ai oublié de dire. Donc, la barre en haut à gauche. J'ai bien dit en haut gauche. C'est la barre de vie, la barre bleue. Ensuite, la barre en haut droite. C'est la barre de munitions. Donc, là, si j'avais pas acheté de munitions, elle se viderait beaucoup plus vite. Bah, la preuve, elle serait déjà vide. Ensuite, comme vous pouvez le remarquer, il est possible de la recharger. Enfin, vous n'avez pas pu le remarquer. Mais des fois, je ramasse des espèces de petits bidons bleus, des petites fioles bleues par terre. Ça me redonne des munitions. Des fois, on ramasse ça. C'est juste de l'argent. Et ensuite, la barre tout en haut, c'est la barre de progression du niveau. C'est pas non plus ultra dur à comprendre. Donc, j'ai oublié de présenter ce monstre-là, le scorpion, j'appelle ça. Attends, je vois pas trop comment vous pourriez appeler ça autrement. Et on n'a pas encore rencontré de mini-boss. Par exemple, des fois, vous voyez les chiens là. Et bah, des fois, on en rencontre des deux fois plus gros qui sont tous violets. Ah, j'ai j'en ai ramassé une autre, toute bleue. J'ai pas vu, j'ai oublié de vous la montrer. Pourquoi il fait jamais le salto? Bon, c'est pas grave. Là, par exemple, j'ai gagné 2 fois plus d'or. Ce qui est tout à fait normal. Non, en fait. On va faire le niveau 5. Normalement, je pense que nous devrions voir un boss. Nous devrions voir... Enfin, pas un boss, pardon. Ce que moi, j'appelle un mini-boss, qui est juste, en gros, un ennemi normal, un petit peu amélioré. Oui, je me mets toujours au même endroit. Moi, je me balade pas trop ou autre. Parce que au début, c'est ce que je faisais. Puis au final, j'ai commencé. Je m'habitue ici. Là, petit truc bleu. Enfin, petit. Il fait un peu. Il fait presque ta taille, mais bon. Ah, voilà les guêpes. Enfin, ce que j'appelle les guêpes. C'est des espèces de petits trucs qui volent, qui te balancent des boules de feu. Et quand t'en vois une, par contre. Et je vais vous montrer un truc. Bon, toi, dégage. Hop là. Voilà un truc bleu. Là, vous pouvez bien le voir. Je récupère ça. Je m'en fous des ennemis. Hop. De toute façon, ils me font presque pas de dégâts. Allez, dégagez.
Un chien normal. C'est quand qu'on va avoir un mini-boss? Bon, par contre, là, je suis en train de perdre de la vie, ça commence à me saouler. Alors. J'aimerais bien qu'on voit. Une bête améliorée, on va dire. Hop là. Ou une autre guêpe. Parce que là, j'ai pas l'air de vouloir se montrer. Donc, oui. Donc, pour changer d'arme, soit on appuie une fois, soit on fait défiler comme ça. Attention, venez par là. Venez par ici. Ah. Ouh, toi là. On a même pas de guêpe, y a rien. C'est pas drôle. On va tirer. Ah, des munitions, youpi, ça va servir à rien vu le nombre de munitions que j'ai acheté, mais c'est pas grave. Allez, dégage ça, le chien. C'est l'occasion de le dire. Bon, ce niveau, je vais le dire, les armes que j'ai, sachant que j'ai jamais dit que mes armes étaient fortes, hein. Et vraiment trop facile. Après, je sais pas si vous avez pu remarquer. Mais quand on change d'arme, le viseur change aussi. Exemple là, c'est un viseur un peu particulier. J'ai jamais compris comment il marchait, mais c'est pas grave. Par exemple, ça tire pas forcément à la cible qui est au centre. Puis des fois, ça, l'ennemi meurt qu'après. C'est pour ça que je comprends pas tout. Ah, une guêpe. Et vous allez voir quelle est la meilleure méthode de tuer une guêpe. Tu passes en dessous, tu donnes un coup d'épée, elle est morte. Même si elle est au-dessus de toi, on s'en fout. Oh, une autre guêpe. Tiens, ça m'aurait étonné. Enfin, j'appelle ça les guêpes. Parce que une abeille dans la vraie vie, c'est inoffensif. Enfin, c'est que si on les embête. Alors que là, c'est. Vous pouvez pas me dire que c'est moi qui les embête, hein. C'est un peu elle qui vient de me chercher, hein. Quand même. J'espère juste que j'ai pas tué de. Mutant. Là! Un mutant amélioré. Vous voyez les espèces de petits machins là? Et bah lui il va beaucoup plus vite, il est beaucoup plus hargneux. Mais il est aussi plus fort, mais il est pas plus dur à tuer. Enfin si, il a deux fois plus de vie. Mais bon. Bon, ça c'est un chien normal. Hop. Là, encore un. Deux flèches pour le tuer. Ah voilà, un chien mutant. Vous voyez? Il est plus rapide, il fait plus de dégâts. Et hop, il est plus gros. Et il n'est pas de la même couleur. Personnellement, je les trouve plus classe en violet. Voilà, voilà. Bon, après, j'ai perdu beaucoup de vie, hein, parce que. Je vais dire, je suis un peu le con, là. Attention, et. Kill. Pourquoi je fais jamais salto? Vous avez vu? Comment ma partie progresse vite? J'en ai marre, ça progresse trop doucement la barre d'XP. Et là par exemple j'ai gagné encore plus, j'ai gagné 3 fois plus que le premier niveau. Tout va bien dans le meilleur des mondes. Donc pour le deuxième chapitre, je ne sais pas si on le fera. La prochaine vidéo sera peut-être sur un autre jeu. On va voir. En tout cas, donc... on va se quitter en améliorant mon épée. Juste comme ça. En améliorant mon arc. Ouais, non, mon épée, comme ça, elle sera level max. Hop. J'ai une épée level max. Tout va bien dans le meilleur du monde. Ouais, non, j'ai oublié de chanter. J'ai pas envie de péter l'écran de mon téléphone. Alors. On se quitte là sur le menu de Star Wars Phare HD Alien Invasion. Donc, on se retrouvera pour une prochaine vidéo. Je ne sais pas encore sur quel sujet. Enfin, sur quel jeu. Parce que je ferai que des jeux, je pense. Donc, on se retrouve bientôt. Et n'oubliez pas, max de likes. Si vous pouvez vous abonner, ce serait génial. Et faites passer le nom de ma chaîne. A plus !